Assalamu alaikum, j'espère que Kulchi là-bas. Ces derniers temps, beaucoup d'islamophobes parlent de la pédophilie. Et comme leur haine envers l'islam est proportionnelle à leur ignorance, bah ça donne des grosses bêtises. Prenons comme exemple trois islamophobes et on va commencer par une collègue de Jacques Le Fou. Il y a aussi ce hadith parce qu'on parle souvent de la pédophilie concernant le mariage des petites filles, mais il n'y a pas que les petites filles qui sont concernées. Parce qu'il y a ce hadith qui dit si un homme s'amuse avec un petit garçon et qu'il le pénètre, il ne pourra pas épouser sa mère. Alors là, on peut dire qu'elle a lancé The Ambiguïté. Et les deux autres islamophobes, vite, donne-nous la source, répète pour que tout le monde entende bien, c'est super, on va attaquer l'islam. Ouais, il n'y a pas de sacrifiant dans tous les cas. Et s'il ne pénètre pas, il peut épouser sa maman. Les Français ne connaissent pas ce hadith, répète-le, Amine. Alors, si un homme s'amuse avec un petit garçon et qu'il le pénètre, ne pourra pas marier sa maman, donc la maman du garçon. Sa maman devient plus halal. Il ne devient, pas plus, devient plus mariable pour l'homme. Alors, il n'y a pas de châtiment dans les deux cas. Qu'il le pénètre ou pas, il n'y a pas de châtiment. Hein. Mais s'il ne le pénètre pas, il peut se marier à la maman et continuer à jouer avec le petit. Source, Mihob, le numéro du hadith, s'il te plaît. Ouais. Moi, j'ai pas de ça, attends. Alors c'est parti, on voit qu'à partir de 1h30 minutes, l'ambiguïté est lancée, et on va voir combien de temps les trois vont prendre pour trouver la source de leur ambiguïté. C'est la poule aux œufs d'or, Al-Bukhari Muslim. Ah, pour ça qu'à faire. On va d'une ordre à une autre. Non, je t'écoute, pour ça. Oui, parce que souvent on parle que des petites filles, quand on parle de pédophilie dans l'islam, mais c'est une forme aussi grave qui concerne les petits garçons. Bah, qu'est-ce qui se passe, Mihoub? On a l'impression que t'as besoin d'aide. Mihoub, Amine, vous avez trouvé le numéro où je dois chercher. Oulala, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces blancs? Donne-moi juste 30 secondes. Ok, pas de soucis. Donc on va laisser Apostat Kafir dire un dernier mot. On va bientôt fermer. Bon, bah, pendant que les deux islamophobes cherchent la source, Jacques Le Fou essaye de discuter avec d'autres personnes. Sire, est-ce qu'on en a gros ou pas? On en a gros, c'est exactement. On en a gros, ouais, on en a gros, c'est. Vous l'utilisez. Pour arriver sur la fin. Voilà, bon, bah écoute, en tout cas, on vous remercie. Et j'espère que tu vas mettre à la montre, si tu as le temps de la regarder. Voilà. Mais ça, c'est entre nous. Oui, merci, Apost. Bon, vous trouvez ce hadith, moi je ne trouvais pas le numéro. Il y a 4833. Mais si vous rentrez dans le Jami'a Sunna wa Shuruha, c'est un site des ulama, des savants musulmans. Si vous rentrez dans le site du Jami'a Sunna wa Shuruha, comment dire, il rassemble les hadiths de Sunna, il les explique, et vous écrivez ce hadith-là, l'Abi Sabi, numéro 4833, dans l'imam Ibn Hanbal. Il y a beaucoup de hadiths qui disent que les femmes, donc là, Mihoub, il est complètement perdu, il raconte n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec l'ambiguïté du hadith cité au début. Non, attends. En fait, il le cite parmi les exemples des femmes qu'un homme ne peut pas épouser. Donc, la tante à sa femme, la sœur à sa femme, s'il a deux... Les deux sœurs, même si elles sont esclaves, donc s'il couche avec l'une, il ne peut pas coucher avec l'autre. Et ça parle aussi de. Voilà, s'il. Bon, il faut que je montre, parce que tu sais, moi. Je l'ai trouvé dans le Naktab al-Shamila, mais il faut juste que je. Oui. Alors, je pense que c'est. Attends. Attends. Bon, maintenant, Jacques Le Fou, sachant qu'il est en plein live, il s'impatiente, il va demander de l'aide à une quatrième personne. Je vais demander à Marc Khaled ou Félix, peut-être. Non, mais je sais pourquoi tu vas demander. Et là, après plusieurs minutes, la collègue de Jacques Le Fou obtient enfin un numéro de hadith. C'est le 4833. Oui, quoi, ça fait quoi? Bukhari. 4833. Ok, voilà. 4833. Sauf que maintenant qu'on a un numéro, bah, y a encore plus de blanc que tout à l'heure. Et en plus, depuis tout à l'heure, je suis en vitesse x2. Mais Hop, ton mic est ouvert. Oui, ah. Voilà. Si vous rentrez dans ce site-là, de Sunna, et vous cherchez, il y a beaucoup de hadiths là. Ça commence avec le hadith de 4833, et vous descendez. Alors là, il cite un abbas, un moment, 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 un moment. Mais je pense qu'il faut pas, dans mes lives, si je l'utilise, je l'utilise pas comme une source solide. Ah, bah qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Eh bien, vous pouvez vérifier, ils ont commencé à lancer leur ambiguïté à 1h30. Ils ont trouvé la source du hadith à 1h41. Donc ils ont mis plus de 10 minutes, ils étaient à 3-4, pour trouver
la source de leur ambiguïté. Donc ça, c'est l'équipe de Jacques Lefou. Ils te balancent une ambiguïté sur l'islam et ils sont incapables de retrouver la source en moins de 10 minutes en étant 3-4. Vous voulez que je vous dise pourquoi ils ont mis autant de temps à trouver la source? Ils ont dit que c'était un hadith rapporté par Al-Bukhari. Sauf que ce n'est pas un hadith. Ce n'est pas une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ni même une parole d'un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Regardons ce que dit le texte de plus près. Vous avez en rouge l'ambiguïté, la parole citée par la collègue de Jacques Lefou, ainsi que répétée par Mihoub en arabe. C'est la partie qui est en rouge, et on voit que ça a été traduit en anglais. Sauf que, en anglais, ils n'ont pas tout traduit. Il manque la partie en vert, qui est très importante. Donc déjà, quelqu'un qui va lire que en anglais, eh ben, il peut se faire avoir. Sauf que normalement, Jacques Lefou et ses deux collègues lisent l'arabe. Alors, en anglais, on voit que c'est rapporté par Abu Ja'far qui dit cette parole-là, comme quoi quelqu'un qui a des rapports homosexuels avec un enfant, eh bien la mère de l'enfant lui est interdite. Donc ça, c'est ce que dit ici la version en anglais qui a résumé ce qu'il y avait en arabe. En arabe, c'est pas Abu Ja'far qui dit ça directement, c'est وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِي عَنِ الشَّعْبِ وَأَبِي جَعْفَرَ. Donc autrement dit, Abi Ja'far, avant lui, il y a qui? Dans la chaîne de transmission, il y a Yahya al-Kindi. Et juste après, Bukhari, l'auteur. Donc là, ici, on parle de l'auteur, celui qui a rapporté cette parole-là. Bukhari, qu'est-ce qu'il te dit juste après? Ça, on ne le voit pas dans la version en anglais. Wa Yahya, on parle de Yahya ici, qui a rapporté cette parole-là. Wa Yahya hadha ghayru ma'ruf. Le Yahya qui a rapporté cette parole, il est inconnu, on ne sait pas c'est qui. Et la suite c'est quoi? Lam yutaba alayhi. Et donc, on ne le suit pas. Non mais sérieusement, tous les suiveurs de Jacques Lefou, vous avez encore une fois un exemple de malhonnêteté intellectuelle. Ces gens-là, ils vous baladent. Ils sont en train de dire que c'est un hadith, laissant entendre que c'est une parole du prophète. Ce n'est ni une parole d'un prophète, ni la parole d'un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est juste une parole rapportée par un inconnu. Autrement dit, il y avait quelqu'un qui disait cette parole-là. Bukhari te dit, la personne qui rapporte cette parole-là qui était peut-être répandue, eh bien, comme elle est inconnue, on ne la prend pas en compte. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ont mis autant de temps à trouver la source? Ils ont dû voir que c'était n'importe quoi, que la collègue de Jacques Lefou les a mis dans un gros problème. Ils se sont dit, mais comment on va faire? Et puis Mihoub, il cherche partout. Et mais en fait, non. Vous racontez n'importe quoi. Et rappelez-vous la parole de la collègue de Jacques Lefou au début. Elle disait, oui, ça c'est un hadith qui autorise la pédophilie et l'homme qui fait ça, bah, il n'a aucun châtiment. Il y a aussi ce hadith parce qu'on parle souvent de la pédophilie concernant le mariage des petites filles, mais il n'y a pas que les petites filles qui sont concernées. Parce qu'il y a ce hadith qui dit, si un homme s'amuse avec un petit garçon et qu'il le pénètre, il ne pourra pas épouser sa mère. Il n'y a pas de châtiment dans tous les cas. Alors, il n'y a pas de châtiment dans les deux cas. Qu'il le pénètre ou pas, il n'y a pas de châtiment. Hein. Mais s'il ne le pénètre pas, il peut se marier à la maman et continuer à jouer avec le petit. Mais c'est pas possible, c'est un truc de fou le mensonge. Où est-ce que c'est écrit dans le texte qu'il n'y a pas de châtiment? Et où est-ce que c'est écrit que l'homme peut continuer à jouer avec l'enfant et tout? Mais c'est écrit nulle part, c'est un mensonge, on vous défie. En fait, la collègue de Jacques Lefou, qui a complètement terminé Jacques Lefou et son équipe, hein, malheureusement, peut-être ils vont la virer, eh bien qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti et en plus, elle montre son ignorance. Pourquoi? Parce qu'elle va nous citer un texte qui parle de pédophilie et qui dit pas juste après que c'est interdit. Mais si on applique la même logique que la collègue de Jacques Lefou, juste au-dessus, on parle de fornication. Oui, si une personne commet la fornication, etc., qu'est-ce qui devient interdit ou autorisé en termes de mariage? Est-ce que ça veut dire pour autant que la fornication, c'est autorisé? Absolument pas. Donc là, on n'est pas dans un contexte où on est en train de dire « Est-ce que la pédophilie, c'est autorisé? Est-ce que la fornication, c'est autorisé ?» C'est si jamais ça s'est fait. Fait, c'est fait. Maintenant, c'est quoi les conséquences en termes d'interdiction et d'autorisation de mariage? C'est tout. Donc là, c'est catastrophique pour l'équipe de Jacques Lefou. Vous trouvez ça dans le Bukhari, mais moi, je ne l'utilise pas comme un source solide. Mais normalement, c'est un hadith sunnite, mais moi, je ne l'utilise pas. Parce que c'est pas beaucoup. Mais quand même, c'est grave, parce qu'ici, il y a des hadiths. Je te cache pas que moi, ces hadiths-là, j'en ai pas vraiment besoin. Non, Coco. Comment ça, t'en as pas besoin? C'est pas ce que tu disais au début. J'en ai pas besoin de l'utiliser. Ouais, voilà. Pas besoin d'utiliser. Absolument. Ceux qui veulent axer leur critique en utilisant ce hadith, ils sont libres de le faire. Mais moi, c'est pas mon cas, mais bon. J'ai déjà entendu. Je crois que je me suis jamais vraiment. J'ai jamais vérifié s'il était vrai ou pas. Non, Jacques Lefou, tu peux pas nous avoir comme ça, c'est pas possible, désolé. Tu disais quoi au début? T'étais tout content. Allez, répétez ce hadith. Les Français ne connaissent pas ce hadith, répète-le. Et à la fin, tout goudou. Je ne connais pas, je l'ai déjà entendu.
Je crois que je me suis jamais vraiment, j'ai jamais vérifié s'il était vrai ou pas. Donc, vous voyez ce que ça donne, hein, Jacques Le Fou et son équipe, hein, et tout ça, c'est grâce à la collègue de Jacques Le Fou qui a montré leur malhonnêteté et leur incompétence. Alors, la pauvre, à la fin, elle va essayer de se rattraper. De toute façon, il y a quand même de sources sûres, parce que c'est de la peste quand même. Hein. Oui, bien sûr. Non, répète, s'il te plaît, on n'a pas bien entendu. C'est de la peste quand même. Hein. C'est de la peste quand même. Hein. Ah, bien essayé, c'est dommage. C'est pas Ibn Abbas. Ibn Abbas, il parle dans le cas juste avant, quand on parle de fornication. Mais par contre, après, c'est Yahya al-Kindi, qui est réfuté juste après par al-Bukhari lui-même. Dommage pour vous. Alors, merci beaucoup, chers collègues de Jacques Le Fou, d'avoir dévoilé toute l'équipe de Jacques Le Fou, d'avoir montré leur malhonnêteté et leur ignorance. Bah, c'est malgré toi, mais quand même, merci. Et puis, la suite, ce sera encore aussi surprenant. À bientôt.